Ensemble, on est plus fort, donc rassemblons-nous. Et donc, ensemble, ayons un impact plus fort. Moi, je suis porteur du projet Open Team. On a décidé de rassembler un maximum d'entrepreneurs et de parties prenantes dans le monde qui souhaitent mettre leur expérience au profit des causes socio-environnementales et notamment le changement climatique. Et pour ça, on a créé en fait des outils informatiques, un réseau humain présent dans de très nombreux pays dans le monde, aujourd'hui 40, et un accès au financement pour maximiser l'impact au travers de projets collaboratifs qu'on soutient. Trois outils. Le premier, c'est un réseau humain. Le deuxième outil, c'est un outil informatique, un réseau collaboratif, une espèce de plateforme web mobile pour pouvoir valoriser du coup en fait les actions collectives les uns des autres partout dans le monde. Et enfin, il y a la co-création qui est notre enjeu ultime, c'est de passer à l'acte en faisant des projets collaboratifs ensemble. Les entrepreneurs, à partir du moment en fait, où ils se rassemblent, on crée des synergies et on a un impact démultiplié. C'est vraiment l'idée de dire 1 plus 1 plus 1 égale 7. On s'aperçoit justement que les institutions internationales sont particulièrement intéressées par cette démarche parce que c'est l'enjeu de pouvoir identifier pour eux en fait, des projets pertinents dans lesquels ils peuvent soutenir le développement. Je pense que moi déjà j'ai un parcours de vie dans lequel je ne me suis jamais senti à l'aise dans le système en place. J'ai vraiment cette volonté de vouloir contribuer à façonner en fait un autre système. L'envie de travailler sur des solutions alternatives pour voilà, limiter la casse. Je fais en sorte que mes enfants aient un monde qui ne soit pas trop dégueulasse. On a en fait aujourd'hui un mur devant nous, sociologique mais surtout climatique. C'est très compliqué en fait de pouvoir passer à l'action sur la scène des politiques. Aujourd'hui on met beaucoup d'espoir en fait dans la capacité de la société civile à s'auto-organiser pour justement adresser ces enjeux parce qu'on sait que sur la scène politique c'est très compliqué. Et donc c'est à la fois un immense espoir mais c'est aussi un immense challenge.